un petit cocktail sans alcool avec du citron vert, du Sirop de litchi. sirop de litchi et du sirop de rose et de la limonade. Donc c'est 4 jus de citron vert, c'est ça? Donc là maintenant vous gardez un citron vert, il y en avait 5. Le cinquième on coupe en rondelles pour la décoration. Donc dans un grand contenant, que ce soit du style jarre comme ça, nous il fait qu'un litre et là on veut mettre 2 litres de limonade. Donc on a fait celle-ci, une bonne limonade. Vous placez les citrons au fond. Donc là, on met quelques glaçons, donc des flamants roses et des ananas. On aurait des flamants roses, ça aurait été sympa au niveau de la couleur. Ensuite, on place le jus des 4 citrons à l'intérieur. On prend le sirop de litchi, une bonne quantité. Tu sais combien il y a ou pas ? 14 pipettes professionnelles. Ça nous aide. Attendez, regardez à peu près au niveau de la contenance. Voilà, c'est équivalent kiff-kiff entre la rose et le litchi. Ouais. 30 millilitres. 15 centilitres. 15 centilitres de chaque? Ouais. Ok. On verse le tout. Pour l'instant, ça fait ça. Je peux vous dire que ça sent bon déjà. Et ensuite, on verse la limonade. Donc, on a mis 2 litres de limonade. On mélange. Vous voyez la couleur, ça fait un peu rose. Ça fait rose très clair. Voilà, là vous voyez mieux. Et on va mettre quelques gouttes de colorant alimentaire rouge pour avoir un peu une couleur rose. Donc là, on essaie de faire les cookies roses. On va voir ce que ça donne avec du gel alimentaire rose. On a mis un peu déjà. Elle a dit quoi? Elle a dit du chocolat blanc et de la fête et et du chocolat. Et du chocolat. Voilà la préparation des cookies roses aux pépites de chocolat blanc et l'autre c'est cookies normales vanillées avec pépites choco-fraises comme ça. Voilà. Hop. Et là c'est des pépites de chocolat blanc. On a mis dans cette préparation. Voilà les cookies qui vont partir au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc, pas de vanillé et des petites pépites roses. Voilà après cuisson. Après 11 minutes. Voilà pour les cookies vanille-couleur rose avec des pépites de chocolat blanc avant cuisson. Cookies roses, pépites de chocolat blanc sorties du four. Décoration. Le gâteau, il est fait par une dame de ma ville. Donc je vous mettrai les coordonnées
en barre d'infos pour ceux qui habitent dans ma région. Les cookies, la recette, je vous la mettrai en barre d'infos également. Et les meringues, pareil, en barre d'infos. J'ai oublié de dire également que la plupart de la décoration, donc soit la nappe, le chemin de table, les bougies, les feux de cheminée, là, vous voyez les fontaines, là, c'est acheté chez Jour de Fête, les ballons également, ici, chez Jour de Fête, et les ballons, bonjour petit chat, et les ballons 11 également, chez Jour de Fête. Donc voilà pour la décoration. Et maintenant, on va pouvoir faire venir la princesse du jour déguisée en... Je vous laisse deviner. Ah, oh, c'est joli! J'aime, c'est trop beau. C'est quoi ça? Des marshmallows. Ah, oh, c'est bien fait! Il y a plein de trucs. T'as des meringues, des cookies, un gâteau, des chamallows et une boisson. Il y en a beaucoup. Ouais. Tu peux mettre ta capuche pour montrer ton petit déguisement de licorne. Parce que Léane a choisi le thème licorne. Et Alicia, pareil, tu peux mettre ta capuche et enlever ta tétine, s'il te plaît. Ah, c'est comme les miens, j'ai deux licornes à la maison. Vous êtes magnifiques.